filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes bien. Je reviens vers vous avec ma seconde partie de haul Primark pour mon fils cette fois-ci. Donc, je suis allée au Primark de Val d'Europe. C'est celui qui est le plus près de chez nous, à un peu plus d'une heure. Donc, je l'ai rhabillé pour la rentrée scolaire, on va dire. Enfin, c'est pour toute l'année, mais bon, pour la rentrée scolaire. Donc, je suis allée là-bas, je lui ai pris un peu de tout, en sachant que j'avais déjà été à Kiabi pendant les soldes et que je lui avais pris des pantalons et des vestes de jogging. Donc, ça, je ne l'ai pas repris. Donc, je vais commencer avec les t-shirts. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur ma vidéo de haul pour ma fille, j'ai oublié de vous montrer les t-shirts, je vous en ai montré qu'un, et les joggings que je lui avais pris. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, je vais pas refaire une vidéo, je vais pas les remettre dans cette vidéo. Donc, je lui ai pris ce petit t-shirt en 5-6 ans également. Petit t-shirt rayé, bleu. C'est du 100% coton, il me semble. 100% coton, c'est pas écrit, enfin bref, et ça va, il est assez épais, il m'a l'air de bonne qualité, j'aime bien la couleur, et ça se marie avec tout. Il était à 3 euros, tous les t-shirts étaient à 3 euros, 3 ou 4 euros. Donc j'ai pris beaucoup de t-shirts à motif, enfin vous allez voir, à motif dinosaures, parce qu'il faut savoir que mon fils il est fan de dinosaures. Voilà, c'est un peu un gris chiné, un bleu. Je suis pas trop licence, mais bon, des fois j'en achète, et puis là les dinosaures c'était pour lui faire plaisir. Je l'ai pris en blanc un peu gris également. Donc ils étaient tous à 3 euros. Je trouve que j'aime bien prendre des t-shirts pour les mettre en dessous des pulls, des t-shirts manches longues en fait. Comme ça c'est pas, parce que dans leur classe il fait chaud, donc au moins il n'est pas trop habillé, mais il est quand même bien habillé, assez chaudement. Donc j'ai pris celui-ci, motif militaire. Un gris avec des motifs multicolores. Donc tout est en 5-6 ans et tout était à 3 euros. Un blanc avec des petits motifs orange. Donc voilà pour les t-shirts. Ensuite en pull, j'ai pris ce pull-là, gris, avec des dinosaures, hein, toujours. J'aime bien, il est super beau. C'est du 5-6 ans également. Et il me semble qu'il était dans les 6-7 euros. De toute façon, Primark, tout est pas cher. Tout est moins de 10 euros, pratiquement. Donc franchement, il y a des super affaires à faire là-bas. J'ai pris ce sweat à capuche avec des petites poches en 5-6 ans également, qui devait être à 7 ou 8 euros. Ça c'est un petit peu des pulls un peu plus épais, parce que pour l'hiver c'est un peu mieux quand même, même avec un t-shirt en bas. Donc j'ai pris celui-ci avec un dinosaure en bleu nuit. En plus ils sont doux dedans, à l'intérieur il y a une matière comme polaire. Donc en t-shirt manche longue, pour mettre avec des petits t-shirts manches courtes en dessous, je lui ai pris celui-ci en gris. C'est du 5-6 ans également, il devait être aussi également à 4-5 euros. Ils étaient tous à 4-5 euros. Je lui ai pris celui-là en bleu avec un petit monstre.
J'aime bien les petits motifs comme ça pour les enfants, c'est mignon. Ensuite, je lui ai pris celui-ci en gris foncé. Avec des motifs d'écriture jaune. Je lui ai pris celui-là en crème. J'entendais du bruit dans la salle, dans les. Je pensais que c'était dans les toilettes. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un aux toilettes alors que j'étais toute seule dans la maison. Enfin, il y a mon bébé qui dort. Mais en fait, non, c'était de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Donc, j'ai pris aussi ce pull-là, un petit peu plus épais. Il était à 10 euros, il est rayé. Pour mettre avec des pantalons un peu plus classiques, ça passe bien. Il était à 10 euros. Donc, c'est tout pour les hauts. Ensuite, en pantalon, je lui ai pris celui-ci. Celui-là, il est un peu froissé parce que je lui ai déjà mis en fait. Voilà. Avec le pull que je vous ai montré, ça passe bien. Des petits ensembles comme ça avec un petit pantalon, pas à pinces, mais un petit peu plus classique. Ensuite, je lui ai pris celui-ci. Je le trouve trop beau. Donc, ils étaient à 10 euros aussi. Avec des petites poches derrière. Ouais, et il y a aussi des petits boutons pour resserrer à l'intérieur. Généralement, je n'en prends pas trop des comme ça. Enfin, pas encore. À moins que je sois avec lui. Parce qu'à l'école, j'aime bien leur mettre des pantalons qu'ils puissent enlever tout seul pour aller aux toilettes. Parce que généralement, les ATSEM ou les maîtresses, ils peuvent être occupés avec bah, d'autres enfants. Ils sont beaucoup. Donc, je préfère leur mettre des choses un peu. Un peu moins serré ou compliqué à enlever. Je lui ai pris ce pantalon là aussi. C'est un petit jean, mais il est quand même stretch, hein. Un petit skinny en bleu. Il y a aussi des boutons pour resserrer. Petite poche devant, une petite poche derrière. Voilà, je les ai tous pris en 5-6 ans également. Et il était à 10 euros. Ensuite, je lui ai pris des basiques, des joggings. Ça, c'est obligatoire. Avec des petites poches. Petit nœud pour resserrer à la taille. Voilà, tout simple. Resserrer en bas. En couleur un peu bleu. Bleu, gris. J'ai pris le même en gris. Petite poche. Il me semble qu'ils étaient à 6 euros. C'est du 5-6 ans. En plus, ils sont bien. Pour l'hiver, ça va être top parce qu'ils sont un peu polaires dedans. Enfin, un peu matière d'eau, vous voyez. Voilà. Resserré aussi à la cheville. Donc, c'est tout pour le haul Primark. En basket, je lui ai pris. Mais je me suis trompée. En fait, je suis déçue parce que je me suis trompée sur la couleur et je lui ai pris des Reebok en fait. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, je pensais qu'elles étaient noires sur le site. Même quand je les ai reçues, je pensais qu'elles étaient noires jusqu'à ce que mon mari il me les montre bien. Et en plus, je les ai pris à lacets. Alors que moi, je leur prends à scratch pour, bah, pour qu'ils puissent les mettre tout seuls déjà et les enlever tout seuls. Et déjà, à la maternelle, ils nous demandent de prendre à scratch, c'est mieux. Mais c'est pas grave, je vais lui laisser, puis je vais lui reprendre les mêmes en noir à scratch. Comme ça, bon, ça lui fera une paire. Quand il sera avec moi, je lui mettrai celle-ci. Et quand il sera tout seul, enfin à l'école, je lui mettrai ce à scratch. Ensuite, pour le manteau, je ne lui ai pas repris parce que je lui en avais pris un à Kiabi l'année dernière. C'était une taille plus grande que j'avais pris. Et du coup, il lui va encore. C'était celui-ci. Franchement, je l'aime trop. Il est trop bien. Il chauffe trop. Il est long. Il y a une fermeture. Des boutons, des petites poches là, des petites poches en haut. Il y a des pressions aussi. Et sur le côté tout en bas,
il y a des petites fermetures pour l'ouvrir, ou moi quand il court, bah, il aime bien l'ouvrir, sinon je lui ferme. Voilà, ça c'est des petits motifs réfléchissants, en fait c'est pour la nuit, ou même s'il ne sort pas la nuit, mais bon le matin parfois en hiver il fait froid à l'intérieur, c'est un peu polaire. Donc voilà, ça ira très bien pour cette année. Donc voilà les filles, c'était la deuxième partie de mon haul Primark. Je vous avais fait celui avec ma fille, donc je vous ai fait celui avec mon fils. Oui, donc je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais mes jumeaux de 4 ans et demi, c'est un garçon, une fille. Voilà, donc je dis mes jumeaux, mais c'est un garçon, une fille. Donc pour en revenir aux vêtements, je pense que je compléterai avec pour ma fille des gilets, des collants et quelques robes. Et pour mon fils, bah, là, il lui manquera quelques chemises, je pense, et les baskets que je dois racheter. Et ce sera tout pour le moment. Donc après, quand je trouve des coups de cœur, je leur achète. Sinon, ça sera déjà très bien. Bon, j'ai envie de dire, ils sont à la maternelle. Et puis, je sais que le premier jour, ils vont revenir avec plein de peinture sur les vêtements, comme toutes les années. Et ça va être comme ça tous les jours. Donc, ils ont également des chaussons. Pour mon fils, donc il a des chaussons. Comme j'avais dit, je prends pas beaucoup de licence, mais bon, c'est mon mari qui lui a pris. Il a été au magasin avec lui et c'est lui qui a choisi des chaussons Paw Patrol bleus en 30. Et ma fille, elle a des chaussons toutes simples, grises avec des petites étoiles roses. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très vite. Je vous embrasse, à bientôt!